Amen. Allons-y. J'ai trouvé David, mon serviteur. Il dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Je ne l'ai pas laissé comme ça. Je l'ai oint de mon huile sainte. Le psaume 89, le verset 21. Ma main le soutiendra. Il dit, j'ai trouvé David, je l'ai oint. Ma main le soutiendra. Ma main le soutiendra. Et mon bras le fortifiera. À cause de l'onction royale. L'ennemi ne le surprendra pas. À cause de ce qu'il a reçu, l'ennemi ne va plus le surprendre. Oh, lui, il te surprend, chaque jour, il te frappe. Tu rates ici, le diable te frappe. Tu as merdé. L'ennemi ne le surprendra pas. Amen. Et le méchant ne l'opprimera point. Le méchant va plus t'opprimer. Venir détruire tes cheveux, va plus t'opprimer. Allons-y. J'écraserai devant lui ses adversaires. Il dit, j'écraserai devant lui ses adversaires. Et je frapperai ceux qui le haïssent. Frapper ceux qui le haïssent. Tu as l'impression que c'est le diable qui a plus de raison. Pour lui marcher. Il dit, je frapperai ceux qui le haïssent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frère, quand la main de Dieu est sur une personne, ça se sent. Vous savez, j'ai dit aux gens, mais vos vies chrétiennes, là, c'est comment? C'est dans la bouche ou bien c'est vrai? Non, quand Dieu est avec quelqu'un, ça se sent. Quand tu te lèves contre cette personne, tu as des problèmes. Mais quand tu n'as pas été consacré à Dieu, Dieu te regarde. Amen. Amen. Je ne savais pas, un matin, je suis au Togo, on m'appelle, lui, est-ce que tu as vu la presse? Il dit non. Allez, est-ce que j'ai écrit sur toi la presse? Là, tout dit, t'as un chanteur qui a pris ma chanson pour aller chanter. Je n'ai rien demandé, c'est ma chanson. Je suis auteur-compositeur, je compose des chants. Voici ce qu'il a dit. Lui, il a appelé, le petit dit non, il n'a rien à voir. Il dit, mais pourquoi c'est ton nom? Et puis, ils ont parlé du prophète sur le journal. En parlant les journalistes, les gens ne veulent pas parler. Quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, je suis sorti de l'avion, j'ai commencé à parler. Si tu ne m'as pas appelé, ce journal-là, j'ai donc 3 mois. Si ça continue d'apparaître, c'est que je suis pas accepté de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, c'est fermé. Amen. Amen. C'est un magasin de fermé. C'est fermé. Amenez vos enquêtes, demandez, c'est fermé. Si tu es consacré celui qui a affaire à toi, il y a des problèmes. Pourquoi David n'a pas pu tuer Saül? C'est à cause de ça. À cause de l'onction. Bien que Dieu ait rejeté. Bien que Dieu. C'est pour ça qu'il ne touche même. Ne touche pas n'importe qui. À cause de l'onction, David avait peur. Parce qu'on ne touche pas quelqu'un qui a été point. Touche pas. Il dit, loin de moi de toucher un point. Loin de moi. Toi-même, ça se met même, il n'a rien à peur de toi. Il passe même plus ta tête. Ta tête. Ne sois pas joué avec toi. Tu lèves, tu lui dis rien. Tu passes là, tu as quelqu'un qui est sérieux, qui veut te prendre au sérieux. Le portable est sur le répondeur. Exactement. Tu es choqué. C'est un grand signe. Quand quelqu'un commence à te prendre au sérieux, et puis du coup, le jour pas de mariage, et puis il y a un problème, ça dit que vous avez ce problème ici. Oui, bien sûr. Amen. 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 L'échec, vous devez reconnaître ça. Amen. Amen. Il y a ce qu'on a dit, Dieu, une expérience que Dieu veut te faire vivre, mais il y a l'échec. Non, il y a l'échec que tu ne peux pas connaître. Amen. Non, non. Amen. Tu as fini? Amen. Amen. Tu as fini? Le passage. Le psaume 89, à partir du verset 21, vous comprenez beaucoup de choses. Le verset 21, vous comprenez beaucoup de choses. Amen. Il dit, j'ai trouvé David, il dit, je l'ai oint. Il dit, ma main le soutiendra. Mais derrière le verset 23, il dit, l'ennemi ne le surprendra pas. Il pèse bien les mots, l'ennemi, pas de l'ennemi. Ici, il parle de méchant. L'ennemi est le méchant. Un ennemi, c'est qui? Contre toi. Un ennemi. Un méchant, c'est qui? Mais vous pouvez dire, le méchant et le méchant. Un homme sans cœur. Amen. Un homme sans cœur. Il dit ici encore, j'écraserai devant lui ses adversaires. Il parle ici des adversaires. Adversaire, c'est qui? Il s'oppose à toi, c'est ça? Il s'oppose à toi. Voilà, un opposant. On peut être un adversaire,
pas être un élu. Je veux être peut-être le président de la République de Côte d'Ivoire, c'est même pas mon souhait d'ailleurs. Quand on finit, on va se saler. Ça, les blancs, ils connaissent ça. Chez nous, c'est n'est pas là. On a plus le gars, tu es fâché. Parce qu'il est devenu président de la République. C'est notre problème ici. Amen. On est un verset, quand on finit, la Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire. On marche ensemble. On laisse le pays. Oh, nous, c'est quand c'est comme ça, c'est pas là. Amen. Un adversaire ne peut pas être un ennemi. Un ennemi jamais. Il ne peut pas. Or, la Bible dit qu'il écrasera. C'est-à-dire, dès que tu t'élèves pour aller, quelqu'un qui t'affronte, tu te donnes toujours la victoire. Amen. C'est ce que la Bible dit. Tu ne vas jamais échouer. Amen. Et tu donneras toujours la victoire. Parce qu'il fera de toi la tête et non la queue. Amen. C'est toi qui échoues dans les examens. C'est toi qui échoues. C'est toi qui es bizarre. C'est toi qui as les mauvaises notes. Et ce qui nous réjouit, c'est que quand on a prié cette année, c'est à 100%. Même dans notre église.